Graphine Crédit à l'école, nous pensons que la précarité est due aussi pour partie à la difficulté d'accès au financement. C'est le cas notamment pour des personnes qui ont des projets entrepreneuriaux et qui, pour des raisons d'éloignement, mais aussi pour des raisons de difficulté d'accès au secteur bancaire, ont du mal justement à trouver des ressources pour se lancer dans des petites activités génératrices de revenus. Et donc le métier de la Fondation, c'est vraiment de flécher des financements, d'apporter des financements à des institutions de microfinance qui sont un peu partout dans le monde, évidemment plutôt dans des pays pauvres, puisque l'hémisphère sud est le cœur de la pauvreté, et plus particulièrement les zones rurales qui sont, là encore, le creuset de la pauvreté dans le monde. On va chercher des institutions qui sont très engagées en faveur de la performance sociale, en faveur de l'impact social, et on apporte des financements à ces institutions pour leur permettre justement de faire des microcrédits. Le Fonds de dotation Impact a choisi de s'engager auprès des populations les plus précaires pour leur permettre un accès le plus qualitatif possible à la culture. Par des actions de terrain très simples, orientées dans les territoires, pour permettre à des initiatives culturelles dont seraient exclus traditionnellement ces publics de germer dans des lieux où on ne les attend pas nécessairement. Pour Impact, la culture est la colonne vertébrale de l'homme. Nous nous engageons auprès d'artistes, nous les accompagnons pour qu'ils puissent faire contribuer, participer d'une manière collective des publics qui parfois n'y ont pas accès. L'association Dons Solidaires a été créée en 2004 pour développer le mécénat de produits en France. Notre action repose sur un double constat. Euh, la précarité grandissante, d'une part, avec près de 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et d'autre part, un énorme gaspillage de produits non alimentaires. Face à ce double constat, notre action est simple. Elle consiste à collecter auprès des industriels et des fabricants leurs produits euh, invendus, non alimentaires. Toutes les associations nous demandent prioritairement des produits de première nécessité, des produits d'hygiène, des vêtements, car une fois sorti de l'urgence, lorsque l'on a un toit, lorsqu'on a de quoi se nourrir, c'est le temps de la réparation. On a besoin de se vêtir, de se laver, de se reconstruire. Ces associations sont des épiceries sociales et solidaires, des centres d'hébergement, des accueils de jour, des maraudes, des foyers de l'enfance. Et parce que le don contribue à revaloriser la personne, nous attachons aussi à créer des moments de partage, d'échange, car on le sait, les personnes en précarité sont souvent victimes, sujettes à l'exclusion sociale, à l'isolement du fait de leurs difficultés. Nous agissons au plus près des territoires en cofinançant des projets d'intérêt général. Aux côtés des 39 caisses régionales du Crédit Agricole. Deux projets me semblent emblématiques à cet égard. Le premier concerne un dispensaire médical qui a ouvert fin 2017 à Limoges. Celui-ci permet de donner accès à des consultations spécialisées d'un point de vue dentaire et ophtalmologique aux plus précaires. Par ailleurs, nous soutenons des projets de résidence intergénérationnelle avec l'association Habitat et Humanisme. Ces résidences permettent aux plus fragiles de se reconstruire en accédant à un logement qui mixe des populations d'âges différents. Elles favorisent le vivre ensemble et la reconstruction des plus fragiles. Crédit Agricole Assurance continue de soutenir la cause des aidants. Nous finançons depuis 2010 euh, des associations qui aident les aidants, euh, ces personnes qui sont en situation d'aider un proche en perte d'autonomie. Ces actions leur permettent sur le terrain de les sortir de l'isolement, de leur trouver un soutien psychologique, euh, d'aider aussi les salariés aidants à retrouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Nous avons lancé fin 2017 une enquête auprès de l'ensemble de nos collaborateurs. Nous sommes très heureux d'avoir constaté que plus de 90% de nos collaborateurs qui ont répondu attendent de l'entreprise qu'elle mette en place un dispositif en termes d'engagement sur notamment la cause des vulnérabilités et de la précarité.